Tropifun. Ce que je préfère. Vous l'aimez bien, ce film? Une vieille meuf qui sort d'un puits. What about it? Et ensuite, elle traverse une télévision. Du coup, je me demande... What is it? Si elle pourrait pas passer par les WC aussi. You know what, Eric? Je me suis fait la même remarque. De toute façon, avec ses cheveux, elle a une tête de balai à chiottes. Hors de ma vue, vil opportuniste. J'aimerais pouvoir me déshabiller sans être espionné. Hein? Alors, que dis-tu de mon déguisement? Je trouve qu'il me sied comme un gant. Tu n'approuves pas? Je valide. Ouais. This poor girl a retrouvé son chien égorgé, head upside down dans le closet de sa chambre. Can you imagine? Gosh. What's that? Je viens de regarder sur Google. Visiblement, la gamine s'est faite lécher les pieds pendant qu'elle dormait. Oui, mais le chien était mort. So, who do you think? Lick her feet. Bah, ça doit être Samantha. La meuf qui a une tête de cul, là. Bon, allez, on bouge ou quoi? Sur Google, ils disent que pour passer un Halloween d'enfer, faut rentrer dans ce château. Hein? Bah, il y va déjà? Ah ouais. J'espère que cette vieille baraque est pas hantée pour de vrai. Seigneur Jésus, quelle idée de nous avoir fait venir ici. Cet endroit me donne la chair de poule. Oh, arrête de te plaindre, Florent. T'es déguisé en clown. Donc t'es supposé être marrant, je te rappelle, non? Hein? Ah, que t'es chiant! Oh, mais c'est vrai quoi, t'es toujours là à nous faire chier tout le temps, à toujours te plaindre des merdes, quoi. Tu peux pas être un peu plus optimiste? Mais j'y suis pour rien, c'est bon. Bah, sacré cimetière. D'ailleurs, pendant que j'y pense, faudrait que j'achète un bout de terrain pour ma belle-mère. Ici repose le comte Orlok. Je sais pas qui c'était ce gars, mais porter des dreadlocks, en or en plus, c'était de l'appropriation culturelle. Ouah, la statue, je veux la même dans mon jardin. Ça schlingue, Burk. Cette demeure est d'un sinistre. Je ne comprends toujours pas ce qu'on fait ici. Florent, stop complaining. Mais c'est délicieux. Disons que ça dépend du morceau. Je sais pas ce qui m'arrive, mais j'ai comme une envie de chanter. Et vous, Madame Rihanna, ça donne quoi? Vous vous régalez? I'm not really sure. Écoutez, si vous êtes pas content de la bouffe, vous avez qu'à la donner à Kate. Florent, tu veux bien fermer ta gueule, s'il te plaît? Grave, Florent, t'es vraiment pas cool. J'abandonne.
chantes comme un pied. Je n'ai jamais prétendu le contraire. T'aurais pas aimé faire la Starac? Tu veux rire? Genre, les tétés refaits de Jennifer, ça t'intéresse pas? En fait, qui est la personne derrière ce masque? Enfin, cette espèce de sac craft recyclable chelou. Yeah. Guys, who is this? Honte divine. Serions-nous entrés par effraction chez quelqu'un? À la vôtre. Ah, santé, monsieur. Dracula, comte des Carpates, depuis des siècles. Un clown qui fait la grimace. Il manquait vraiment plus que ça. Pendant des années, je suis resté enfermé dans la tour de ce château. Il est impératif que vous compreniez que le comble pour quelqu'un comme moi, c'est de se faire du mauvais sang. J'ai envie de sucer et de me masturber. Oh oui, ça serait vraiment cool. Mort de rire. Vous savez ce qu'on dit d'un vampire bourré d'énergie? C'est pas vraiment mon fort, les devinettes. Oh, je vois. La réponse, c'est qu'il a du mordant. Ok, donc si je comprends bien, vous êtes un vampire. Dracula, c'est ça. Vous pouvez vous transformer en chauve-souris, comme Batman. Oh, elle pue votre bouffe. Vous devriez savoir que le plat préféré des vampires, c'est le croque-monsieur. Ben, moi, je préfère les croque-madame, parce qu'il y a de la saucisse dedans. Dites-moi, jouez-vous un jeu? Ou bien êtes-vous vraiment aussi stupide que vous en avez l'air? Vous en pensez quoi, vous? J'en pense que j'ai soif. On peut en discuter si vous voulez. Vous auriez du sang-frais à me donner. Il se pourrait bien quoi? Ouais. Bien, voyons voir. Vous savez, avec le temps, je me suis beaucoup assagi. Je peux comprendre qu'on veuille visiter mon manoir pour Halloween. Mais en contrepartie, je demande à boire du sang chaud et bien juteux. L'un d'entre vous va passer à la casserole, c'est compris? Ça tombe bien, j'ai la personne idéale. Vraiment? Excellent. Mais je après, vais on avoir quitte, ma dose d'hémoglobine. Rien de tel qu'un bain de lumière lunaire. Une fois que j'aurai enfin étanché ma soif, je m'en prendrai aux autres et mettrai leur reste dans mon joli frigo Samsung. Ah, cette chatte ne peut donc pas la fermer! Nous deux. T'en sens un goût étonnant. Et si tu me montrais ton visage? Allez, sois pas timide. Ça alors? Mon sang est différent. Faut dire que je ne suis pas une humaine. Hein? Oh, ça sent le roussi. Bon, ben, je me demande ce que je vais bien pouvoir faire de ces cendres. Et c'est ainsi que le règne du Seigneur Dracula prit fin. Un soir d'Halloween. Pas besoin de pieux, de crucifix ou même d'œil protecteur quand on a une cromague avec soi. Elle l'a vraiment mis sans dessus dessous.